Amélie et bravo. Vous Merci. Êtes la star de la délégation française des Jeux paralympiques de Rio. Regardez, on va voir une petite les ongles bleus, blancs, rouges. Hein. Oui, toujours. Regardez un petit peu ces titres. Il faut dire que vous pesez lourd dans le bilan des Jeux. Vous n'êtes pas allé à Rio pour faire de la figuration. 3 médailles, 2 en or, en saut, en longueur et aux 400 mètres. Après et avoir brillé à Londres, c'est ça qui oui, est extraordinaire. Exactement, mais c'était dans le 100 mètres à l'époque, on y reviendra. Ça faisait beaucoup sur les 28 médailles de la délégation française, dont 9 en or. On vous traite avec beaucoup d'égards dans la délégation française. Est-ce qu'on s'incline sur votre passage? Non, j'ai eu la chance de réussir. Il y en a qui sont passés un peu plus à côté, mais voilà, c'est une belle délégation qui a été chercher de très belles médailles sur la globalité de l'équipe. Alors, on va se faire plaisir et on va vous faire plaisir. On va regarder quand même ces victoires et ces médailles. Et regardez cet envol, encore une fois très exactement mesuré à 5,83, c'est-à-dire qu'elle égale son tout nouveau record du monde. Malia, elle est en train de se grappiller centimètre par centimètre, mais ça ne suffira pas. Elle va terminer, Maria Amélie. Elle termine en 50-28. C'est un nouveau record du monde, surtout. Médaille de bronze pour Maria Amélie Le Fur. C'est sa troisième médaille. Après l'or au saut en longueur, l'or sur 400 mètres. Voilà donc une médaille de bronze sur 200. Et votre sourire fait vraiment plaisir. Ouais, sur le podium, ça fait un truc. Ouais. Quand même. Ouais, non, c'est très beau. Et alors, on l'a vu, deux records du monde battus. Bon, c'était les vôtres à la fois. Ouais, c'était les miens. Je n'ai pas battu beaucoup, mais voilà, c'est toujours agréable d'avoir une médaille d'or assortie d'un record du monde dans un grand championnat. Et pourtant, vous aviez une blessure qui vous avait fait un peu peur avant de partir à Rio. Ouais, à 2 mois des Jeux, en fait, on n'était pas sûr que je pourrais partir aux Jeux parce que voilà, je m'étais fait une déchirure sur le quadriceps, mais le corps médical a su me protéger, me mettre en dehors des stades pour vraiment soigner cette blessure. Donc ça a un peu tronqué la préparation. On espérait faire de meilleures performances, mais au moins ça a bien sauvé les Jeux et ça a permis d'aller chercher de belles médailles. Alors vous concouriez dans 4 épreuves. Le focus était vraiment sur les 400 mètres. C'était votre priorité. Pourquoi ? Parce que justement, Patrick parlait de Londres. Vous étiez tenante du titre à Londres, mais sur 100 mètres. Pourquoi être passé à 400 ? Tout simplement parce que le 400 n'était pas ouvert à Londres. Et avant mon accident, en fait, j'étais plutôt coureuse de 800. Donc quand ils ont décidé d'ouvrir le 400 en plus de la longueur qui était l'objectif, on a sauté sur l'occasion. Et on a quand même fait le 100 mètres et le 200 mètres parce que c'était à la fin du programme. Mais le corps n'a pas tenu jusqu'au bout. Ça a été compliqué de faire les 4 épreuves. Mais c'était vraiment une belle aventure humaine sur l'ensemble des épreuves. Vous les avez beaucoup revues, vos courses, là, et ces images ? Non, c'est la première fois que je les revois. Du coup, vous n'avez pas envie de parler, vous avez envie de les regarder. Vous étiez très attentive, oui. Vous êtes venu avec ça, c'est avec ça que vous courez. Regardais les images, c'est étonnant. Et on va en parler, mais c'était vos troisième jeu. Ouais. Est-ce que c'est un bon cru ? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance ? Parce qu'on est marqué par les sifflets des JO, et notamment de Renaud Lavillenie. Est-ce que vous aussi, vous avez eu droit à ce traitement-là ? Non, on a eu la chance d'avoir un public en fait, qui était... Alors on voit que ce n'est pas forcément un public habitué à l'athlétisme, mais en tout cas, c'est un public qui avait envie de donner de la voix, qui avait envie de vivre le spectacle. Très nombreux d'ailleurs. Très nombreux. Voilà, c'est vrai que les billets ont été vendus moins cher, donc plus accessibles pour le public brésilien. Et ils ont apprécié le spectacle et nous, on a apprécié de jouer avec eux. Donc, dès l'entrée dans le stade, vraiment leur faire des coucous, voilà, essayer mettre dans la poche, voilà, de s'atterrir un peu ce public sur nous. Et après, dès l'instant qu'on avait ce contact-là, ils nous le rendaient bien et ils étaient vraiment avec nous dans le stade. Alors vous êtes rentré ce matin avec tous vos camarades. On va regarder quelques images de votre arrivée à l'aéroport. Bonne ambiance. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, 15 ans impurs, à voir le sillon. Bravo ! Bravo ! Faites du bruit pour les médaillés ! Plus fort !
On a appris aujourd'hui que les Jeux paralympiques avaient attiré 13,6 millions de téléspectateurs sur France Télé. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est passé quelque chose avec ces Jeux, que tout d'un coup le regard a changé aussi et plus d'intérêt suscité par ces Jeux ? Je pense qu'il y a plus d'intérêt tout simplement parce que les gens sont plus prêts maintenant. Ils ont compris que derrière le handisport, il y avait surtout du sport, de la performance et que quand les images étaient belles, on arrivait facilement à oublier le handicap. Donc voilà, Londres a été une première étape et je pense que les Jeux de Sochi derrière ont permis voilà, de montrer du sport. Et cette année, le public français était vraiment assez mature pour accepter ces images. Vous êtes venu donc avec cette prothèse magique. J'imagine d'ailleurs que la technologie évolue très très vite sur ce genre de matériel. Pas forcément très vite. En tout cas, elle a évolué un petit peu dans les dernières années. On a une lame qui est sortie il y a 4 ans. Donc ce qui est bien, c'est que nous, on est tous équipés avec le même matériel. Après, voilà, faut arriver à le dompter, à savoir bien s'en servir pour essayer d'être le plus performant possible. C'est la règle d'avoir le même matériel pour toutes ? Non, c'est pas une règle. C'est la règle du marché qui fait que... Parce que c'est la plus performante pour nous. D'accord. Et globalement, on a très très peu de fournisseurs qui arrivent à nous fournir des lames de qualité. Donc on est en fait sur une combien ça pèse Le poids je sais pas. Après, c'est très léger. Non c'est assez lourd en fait. Ah oui. Je sais pas si. La première fois que vous avez porté une prothèse, vous aviez 15 ans, c'est ça? Ouais. C'était après votre accident. D'ailleurs, vous êtes très très vite remis à l'athlétisme après votre accident. 4 mois après, voilà, parce que j'ai eu la chance d'avoir le tournage d'un film en fait, qui m'a permis de m'acheter ma première prothèse. J'étais jeune, donc une cicatrisation relativement rapide. Et puis après, voilà, le fait de pouvoir recourir très vite, reprendre l'entraînement. Après, tout de suite, je ne me suis pas dit, je vais faire une carrière à haut niveau, je vais aller chercher des titres. Je voulais juste reprendre pour le plaisir. Et la carrière à haut niveau s'est construite avec les années. Et très vite, je crois que vous avez remporté le championnat de France, c'est ça? Oui, le championnat de France en 2005. Après, voilà, le handisport à cette époque-là n'était pas encore ce qu'il est devenu actuellement. Maintenant, on a plus de mal à arriver à gagner des titres. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus professionnel maintenant. Qu'est-ce que ça représente, le sport, la compétition pour vous ? C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est quelque chose... En fait, le sport de haut niveau, il y a la performance. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'étais venue chercher dans ces Jeux. Ce que j'étais venue chercher, c'était le côté humain que j'avais découvert un petit peu à l'ombre. Et donc, je voulais vraiment... revivre ça à Rio et le revivre de façon plus importante parce que c'est des rencontres, parce que c'est rencontrer des gens qui viennent du monde entier, c'est rencontrer des gens qui ont fait des sacrifices énormes, les mêmes que nous, mais de façon un petit peu différente. Et il y a énormément de partage lors des Jeux. Et vous allez les rencontrer de nouveau en 2020 à Tokyo ? J'espère. Après, j'avais dit que... Parce que vous avez laissé le doute planer pendant les Jeux. Est-ce que vous avez envie de continuer ? Bah, oui, forcément, j'ai envie de continuer. Après, j'ai aussi d'autres projets dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, voilà, dans ma vie de famille. Donc voilà, je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour me reposer, pour m'éloigner des stades, pour que le corps récupère aussi, parce que cette année, il a énormément souffert. Mais moralement et mentalement, j'ai tellement pris une bouffée d'oxygène à être avec la jeune génération, avec cette génération qui arrive et qui est montante, que je pense que j'ai quand même envie de revenir en 2020. Vous êtes un modèle pour cette génération montante aujourd'hui. Je ne sais pas, après, en tout cas, j'essaie d'être un guide et de ne pas leur faire faire les erreurs que moi j'ai pu faire dans le passé et qui m'ont fait perdre un petit peu de temps pour aller chercher ces médailles d'or. Moi, je trouve qu'il y a un très bel état d'esprit, en tout cas, qui s'est dégagé de tous ces Jeux olympiques en septembre, en juillet. Voilà, il y a une Team France qui est en train de monter avec des personnalités comme vous qui sont très humbles aussi vis-à-vis de leur sport et vis-à-vis de leur performance personnelle. Vous les aviez reçus, les athlètes de retour des JO aussi. Voilà. Moi, je les avais trouvés super sympas. Ouais. Voilà. Et très, très copains les uns les autres. Vous allez faire un duo avec Teddy Riner, je crois. Oui, bah, sur la candidature de Paris. Le duo gagnant. Ça, c'est chouette. Bien sûr. En tout cas, on va essayer. Merci beaucoup, Maria Mélie Le